Coucou tout le monde, j'espère que vous allez mieux. Alors je suis trop contente de vous retrouver pour un vlog. Alors oui, je suis un petit peu aujourd'hui, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, on est le combien? On est le 30? Voilà, nous sommes le 30. Il fait super beau aujourd'hui, donc oui, je viens de me lever, il est midi. Oui, bravo Ellie, je sais, c'est pas bien. Et ben, aujourd'hui, je vais avec ma mère, on va au lac d'Annecy pour se promener. Ça fait longtemps que j'avais pas vraiment été. Je suis assez contente, voilà. Et aussi pour vous dire que je n'ai pas du tout de nouvelles des personnes. Ben, quand j'ai fait le ménage et tout ça, donc est-ce qu'ils m'ont oublié, est-ce qu'ils attendent d'avoir d'autres appartements pour ben, qui seront qu'ils attendent de que des gens louent les appartements pour faire le ménage, je ne sais pas, mais moi ça me gronde parce que moi j'attends comme une glaine, donc ben, je vais faire des recherches ailleurs en attendant parce que voilà, je veux pas rester comme ça. Et puis voilà, donc là je vais aller me préparer parce que là il est déjà midi et des brouettes, faut que André parte dans 1h30, donc il faut manger et tout ça. Moi je sais pas si je vais manger parce que depuis un certain temps j'ai mal au ventre, j'arrête pas d'aller aux toilettes. Oui, très intéressant, mais ça me gonfle. C'est pas mal de ventre classique, vous savez, que vous devez aller aux toilettes, après c'est bon, ça va mieux. C'est un mal de ventre vraiment qui fait mal et ça me gave. Alors je sais pas si c'est des coliques ou je sais quoi, mais ça fait très très mal. Et quand j'ai ce mal de ventre là, j'y vais au moins 3 fois aux toilettes. Oui, je sais, c'est très intéressant ma vie, vous allez me dire. Et ça me gonfle parce que, désolé pour l'effet de l'angle, parce que c'est très très chiant, ça fait super mal et... Ça me bouffe du temps en plus parce que je suis tout le temps aux toilettes. Alors des moments, je vais aux toilettes, je sors en pensant que ça va mieux. Puis après ça me refait mal. Et après je reste, mais je reste presque 1 heure. Hein. C'est ça qui est fou. Donc le truc c'est que des fois j'essaie de ou soit d'écouter de la musique ou de regarder une vidéo pour me détendre. Et j'y arrive pas, je supporte pas la musique ou une vidéo. Du fait que j'ai tellement mal que je supporte pas d'écouter un truc ou je sais quoi. C'est très bizarre, hein, mais bon. Voilà, Junior, tu m'embêtes. Préparé, puis je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde, on se retrouve quelques heures plus tard. Donc je me suis maquillée tout ça. Là, je vais voir ma mère et tout ça. Je suis trop contente, j'ai reçu son cadeau d'anniversaire. Donc si vous me suivez un petit peu, je lui ai acheté une coque. Et merci. Ah, regardez. Elle est trop trop belle. J'adore, donc... Elle est trop belle. Donc je vais pas lui offrir là. Donc voilà, c'est... Je suis trop contente. Elle est trop trop belle. J'espère que ça lui fera plaisir. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu pour gamin et tout ça. Enfin pour gamin non, mais vous avez compris. Mais j'aime trop. Oh, j'ai oublié de mettre du rouge à lèvres. Oh mince. Donc voilà, je sais pas trop quoi dire. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour la suite. Ah oui, ma mère m'a offert entre guillemets mon pack. Oui, d'habitude, comme d'habitude, ma mère m'offre tout en avance. Regardez ce qu'elle m'a offert. Ah, des socobons. J'aime trop les socobons. 500 grammes. Elle est folle parce que ça coûte très cher. Et en fait, elle m'a offert une... Il a disparu. Ah, un coffret de parfum. Mais en fait, c'est ça sent pas du tout. Voilà. Et en plus, ma mère s'est fait avoir parce qu'il y a un des trucs qui est ouvert. Parce que c'est un set de parfum avec un gel douche, une lotion et le parfum. Et une petite pipette pour le parfum. Le parfum, il sent bon au début, mais après l'odeur disparaît complètement. Je ne comprends pas pourquoi. Et après, le gel douche a été ouvert. Vous savez, vous avez l'opercule et tout ça, puis ça a été ouvert. Alors, je comprends pas. Et en plus, il sent pas bon, le gel douche. Enfin, il sent pas du tout. Donc, en fait, ma mère, il y a un petit moment, elle avait acheté un truc. Carrefour, se marre. Ça m'énerve parce qu'elle a dépensé des sous, puis ça sent pas. C'est un petit peu de la crotte, quoi. Enfin, bref. Et en fait, bah, elle le prend pour elle, finalement. Peut-être je vais prendre juste la pipette. Ouais, mais non, le parfum, il sent pas, en fait. L'odeur a disparu, regarde, je vais sentir. Tu prends seulement que le vapeur pour le sac. Donc, en fait, ma mère, il y a un petit moment, elle avait été à un magasin. Je crois que c'est bon, ben voilà. Carrefour Market. C'est quoi le magasin où t'avais eu ça? Ah mince, Netto. Casino. Casino, voilà. Il y avait des parfums en promotion, dont celui-là. Okay. Et il sent trop bon. Bah, et je l'ai mis. Attendez, je vais sentir. Il sent encore. Il sent trop bon. Attendez, oh, désolé. L'odeur, elle est merveilleuse. Je sais même pas vous dire ce que ça tend. Ce que ça tend. Oh, ce que ça sent, excusez-moi. Oh, il sent merveilleusement beau. Donc voilà, et ma mère m'a dit, bah tiens, t'as qu'à le prendre pour ton pack. Donc voilà, merci maman encore une fois. Même si je suis chiante que je veux une coque, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je vais arrêter de parler parce que là, je commence à être chiante. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi, oui, ça va. Je suis avec Cassie. Je suis en train de la sortir, donc je suis juste à côté du bâtiment où le copain de ma mère habite. Donc bah, comme vous le savez, je pense que vous avez déjà vu ce petit endroit plusieurs fois. Donc on n'est pas allé au lac parce que on n'avait pas très envie. Donc attendez, je surveille Cassie parce que j'ai peur qu'elle se barre. Parce que là il n'y a pas de grillage, il y a de l'herbe, mais elle peut passer très facilement dans le trou là. Je crois qu'il n'y a pas de...
Ouais, non, je la surveille quand même. Je vais peut-être m'asseoir par terre, je sais pas trop. Mais bon, bref, on n'est pas sortis. Et voilà, ça m'a un peu embêtée. Puis finalement, en fait, je m'en fiche un peu. Donc voilà, alors ce soir, je pense que je vais filmer mon rangement maquillage. Parce que quelques-uns d'entre vous m'ont dit que ce serait mieux que je le refasse avec le décor un peu mieux et tout ça. Donc c'est ce que je vais faire. Je surveille Cassie en même temps, elle me suit, ça va. Je vais rester dans les arbres au moins, je suis un peu cachée des bâtiments. Donc voilà, et je surveille Cassie. Donc je vais refaire ce rangement maquillage parce que le décor, franchement, il est vachement mieux. Le mur, il est très très beau, enfin, il est blanc quoi. Sans traces ni rien, ça va faire beaucoup mieux, ça sera plus lumineux. Par contre là, il est 17h et des brouettes, je crois. Donc normalement, la nuit commence à tomber vers 20h, 21h. Donc il sera 19h et des brouettes, je vais pouvoir filmer ça. Voilà, voilà, je suis trop pressée de pouvoir filmer pour la monter puis la mettre en ligne le plus vite possible. Parce que c'est vrai que normalement elle devait être mise en ligne le plus tôt possible. Mais bon, j'ai un peu pris du temps. Puis de toute façon, c'est pas grave, tant mieux, parce que moi je peux la recommencer avec un meilleur fond que ça. Donc je suis trop pressée de faire cette vidéo. Surtout que là je vais essayer de moins parler. Je vais présenter les produits sans les présenter à part un, parce que c'est ce que j'avais fait. Quand j'ai fait l'autre rangement, que j'ai effacé d'ailleurs parce que je me dis que ça sert à rien, j'ai carrément présenté tous les produits chacun. Donc je me suis dit non, 35 minutes c'est trop trop long dans du brin. Donc voilà, là j'ai envie de faire quelques petites photos. Donc voilà, et voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Donc je vous dis tout à l'heure. Bon, coucou tout le monde, on se retrouve quelques heures après. Donc voilà, je suis avec André et là on va rentrer. Mais tu sais que vu qu'on n'est pas sorti, moi j'ai envie d'aller dans un endroit, mais je sais pas où. Mauvaise humeur, je sais pas pourquoi. Voilà, en plus j'ai toujours pas de nouvelles des gens pour le travail. Ça, ce petit bourrelet là commence à me gaver. Et ça m'énerve parce que je ne sais pas du tout s'ils vont me prendre ou quoi, donc c'est cool. Je sais pas. Enfin bref, voilà. Normalement en rentrant, je fais mon rangement maquillage. Il fait encore jour, donc peut-être qu'on va rentrer là, je ne sais pas. Je sais pas, franchement j'en sais rien, j'ai envie d'aller dans un endroit et j'ai envie de rentrer pour filmer la vidéo. Parce que même si au cas où le mur il est super beau, il est super blanc, mais il va faire un peu nuit. Donc ça va être chiant pour voir un peu voir. Donc je sais pas. Au moins que je la filme. Bah non, demain de toute façon je suis pas là. Je sais pas. Je vais voir, peut-être que si j'ai une grille, je la filmerai ce soir, puis je mettrai de la lumière, c'est pas très grave, de toute façon. La lumière se règle sur les montages, mais c'est pas encore bien comme lumière aussi. Donc, puis vu que j'ai pas de spot et tout, ça m'embête un peu. Mais bon, c'est pas grave, je vais voir et puis je vous lis ça tout à l'heure. Recoucou tout le monde. On ne parle pas de ma coiffure, on s'en fout. Donc alors, je sais plus quoi dire. Donc là, on se retrouve le lendemain. Il y a Maxime juste à côté de moi. Un bouton bien dérangeant. Voilà. Non mais ma coiffure, c'est pas possible. Bon, donc ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment que je suis levée, mais là en fait, on est encore un peu dans le voilà. Et là, il est vendredi. Ok, on est vendredi 31 et là, on va faire un petit peu de ménage. Parce que normalement, peut-être que ma soeur vient demain. Voilà, on ne sait pas encore. On saura la réponse ce soir. On est content, mais dans un sens, on stresse parce qu'il faut ranger tout ça. Et voilà. Et le truc, c'est que là... Oh punaise, c'est pas possible. On a le balcon à faire parce que je sais que ma soeur voudra sûrement manger là-bas, enfin dessus quand... Voilà, bon il est pas bordélique, c'est juste qu'il faut faire un peu de place pour bien mettre les tables et tout. Parce qu'il est pas très très large comme balcon pour mettre beaucoup de chaises. Et on a envie de faire une vidéo dehors. On sait pas encore quoi comme vidéo, mais on a très envie. Puis j'ai très envie de commencer la chaîne de cover, mais je sais pas, voilà. Aujourd'hui, parce que ma voix c'est pas... C'est moi j'essaierai quand même. Donc on va essayer de faire la chaîne de cover. Déjà, juste pour laisser, pour voir ce que ça donne niveau son. Parce que c'est vrai de chanter dehors, c'est pas trop le top. Il y en a, ils ont des micros, des machins, ils ont des trucs pour le son, couper le son et tout ça. Mais nous non. Donc on va essayer de faire comme on peut. Au pire, pour la chaîne de cover, si elle commence comme ça, de toute façon, il y a un début à tout. On commence toujours par... Phrase nulle. Par... On commence toujours par... Oh, mais ma coiffure, c'est pas vrai. On commence toujours par... voilà, si c'est pas parfait, ça le sera plus tard. voilà, je sais pas si vous avez compris. Quoi ? Bon, bref, c'est pas grave. De toute façon, je vais vous amener avec nous parce qu'on va aller dehors. Donc, comme ça, vous allez voir autre chose. Ou pas. Donc, on vous dit à tout à l'heure. On se retrouve quelques heures plus tard. Donc là, on est enfin sortis. On va aller filmer notre fameuse vidéo. Donc, ça sera par contre pour la chaîne... Sur la chaîne de Maxime, je sais plus parler. Parce que moi, en fait, j'ai pas d'idée de vidéo à faire dehors. Que ce soit challenge ou une vidéo normale, par exemple un tag, parce que on a déjà fait beaucoup de tags avec Max et je me dis que ça sert un peu à rien de refaire des tags parce que là je n'ai pas d'idée du tout. Voilà, je sais pas du tout ce qu'on va faire, donc on a pris aussi des raquettes
pour vite fait jouer. Et il a pris un ballon aussi. Donc là en fait on va aller dans un petit endroit que j'espère on pourra s'asseoir et tout ça pour faire une vidéo assez bien. Enfin pour sa chaîne plutôt. C'est au cas où j'ai envie de faire la même vidéo qu'il a envie de faire sur sa chaîne, je la ferai sur la mienne aussi. Mais bon, si au cas où vous êtes abonné à sa chaîne, je me dis que ça sert à rien de la faire sur la mienne parce que bah, vous l'aurez sur la sienne, parce que vous nous verrez tous les deux, donc c'est à peu près pareil. Donc voilà, je vais arrêter de parler puis je vais dire tout à l'heure. Recoucou tout le monde, alors on est enfin assis. Mais attends, c'est pas une vidéo. Attends, donc là en fait on a trouvé un petit endroit, donc je suis un petit peu déçue parce qu'on voit pas les montagnes dernières. En fait, en gros, dernières, bien sûr, elles sont toutes là-bas. Mais bon, on s'est dit qu'on allait là, c'est très bien. J'espère qu'on n'est pas de traverse, que là on est en train de voir. Parce que c'est Maxime qui va filmer sa vidéo sur cette chaîne-là. Sur sa chaîne. Donc bah voilà, on vous dit à tout à l'heure. Bonjour Raquel, parce qu'on sait pas quoi faire, on vient de filmer la vidéo pour la chaîne de Max. Bon, moi je la trouve pas super. Heureusement que je l'ai pas faite sur ma chaîne parce que je trouve que c'est pas super. C'est pour sa chaîne. Il fera bien sûr une vidéo bien avant de mettre celle qu'on a faite, explicatif pour pourquoi il a pas fait, etc. de vidéo. Donc bref, ça sera lui de vous le dire. Et puis voilà, bah là on va jouer vite fait. Donc c'est parti. Ouais, pas trop fort. Oh merde, attends, je. Là, y a le soleil. Doué au tennis. Et on la voit, elle est juste là. Là. Coucou! Bref, à tout à l'heure! J'arrête de jouer, ça me saoule! Et en plus, j'ai vu qu'il y avait un petit bout de mon trépied qui était cassé. Vous savez, c'est le truc qu'on dévisse pour mettre plus haut le truc du trépied. Donc ça m'agace. Mais bon, c'est pas grave. Là, je sais pas ce qu'on fait si on reste encore un peu. Aïe! J'ai envie de faire une vidéo, mais je sais pas quoi. T'as pas une idée, toi? Donc voilà, on sait pas ce qu'on va faire. Il fait super bon, on n'a pas envie de rentrer tout de suite. J'ai envie de faire une vidéo, mais je sais pas quoi faire. Et on me voit pas. On avait rien. Pas très grave, je vais arrêter de parler, puis bon, on se retrouve tout à l'heure. Je suis énervée contre Max, parce que d'habitude, quand monsieur part, il part des heures et des heures. Il nous dit même pas l'heure qu'il rentre, il profite même pas d'être avec nous et tout. Là, qu'on sort tous les deux, qu'on a fait une vidéo et tout ça, il est rentré. Or, moi, j'étais bien là-bas. Mais bon, bref. Je suis passée sur le toit d'année. Passons, ça me saoule à chaque fois. Tout ça parce que monsieur s'ennuie, bah faut qu'il parte. Alors qu'il passe des fois des heures avec des gens qu'il connaît à peine. Ouais, il préfère rester avec des gens qu'il connaît pas plutôt que nous, sa propre famille. Enfin bref, ça me gonfle. En plus il fait super beau. Je suis pas une fille qui aime sortir toute seule, c'est ça qui est chiant. Et je pensais que là-bas j'aimais un peu plus les champs et tout. Mais en fait non, je n'aime pas vraiment. C'est vraiment des champs où il n'y a pas une belle vue. Là on voit que les montagnes, mais faut se mettre à un certain endroit. Enfin bref, ça me gave. Je vous ai pas dit, il y a des nouveaux voisins qui emménagent. Demain, donc samedi 1er avril là, si je me trompe pas, ça va être bien. On a trop envie de dire aux nouveaux voisins qu'ils fassent attention aux voisins déjà dans le bâtiment, mais on n'a pas envie de tout de suite de, comment dire, vous savez, des fois il y en a, ils préviennent, mais en fait en prévenant les gens peuvent se faire une propre opinion de nous et se dire ouais, en gros c'était eux qui créent les problèmes et non les autres. Donc voilà, on préfère rien dire. De toute façon je pense qu'ils viront par eux-mêmes si les autres voisins sont cons ou pas. On vient de rentrer et voilà, je sais pas quoi faire. Je vais encore faire un petit peu de ménage parce que bah c'est ce qu'il faut faire. Et voilà. On n'a pas fait une grosse partie, mais on a fait un petit peu. Là pour le balcon, faut encore faire des trucs. Mais là, André va ramener un. Ça s'appelle un diable. Ce que vous savez pas ce que c'est pour porter des trucs lourds. Et comme ça, on va pouvoir le descendre très calmement. Dans les escaliers demain, c'est pour jeter une table qu'on se sert plus. On a juste démonté des trucs pour garder les vis et tout ça. Mais après, demain, faut jeter une machine à laver qui marche plus. Et peut-être un autre truc si on a le temps. Et demain, bah, c'est le grand nettoyage. Voilà, mais on saura ce soir si ma soeur vient ou pas. Donc je lui demanderai. Puis voilà, et puis on sait pas quoi faire. Voilà, c'est cool. Recoucou tout le monde, on se retrouve le lendemain, donc je suis trop contente. Là, nous sommes le samedi 1er avril, donc poisson d'avril à tout le monde, ou pas. J'ai fait une petite blague sur Snapchat. Vous avez, y en a quelques-uns qui ont cru ou pas que j'allais arrêter ma chaîne, parce que j'avais dit que j'arrêterais ma chaîne. C'est complètement faux. Je n'arrêterai pas ma chaîne de sitôt, j'aime trop faire des vidéos, même si parfois je suis en manque d'inspiration. Mais bon, c'est comme ça, il y a toujours un moment où on n'a pas d'idée. Où c'est sûr qu'il y a des moments où on a envie d'arrêter ce qu'on a envie de faire. Parce que des fois, c'est démoralisant. Personnellement, en fait, vous savez très bien que je ne suis pas à la course aux abonnés. C'est sûr que ça fait toujours plaisir qu'il y ait des gens qui s'abonnent à votre chaîne. Parce qu'au moins, ça prouve que on vous aime bien, etc. Mais quand, par exemple, je vois qu'il y a des gens qui se désabonnent, je comprends pas. Alors, je sais qu'il y a eu des bugs sur YouTube il y a un petit temps.
Comme quoi, bah, il y avait des abonnements, des chaînes qui... Enfin, je sais plus trop quoi, mais c'est vraiment triste parce que tout ça, ce qu'il y a des gens, ils vous aiment plus ou pour une petite parole que vous avez dit qui n'est pas méchante peut-être ou pas, bah, les gens se désabonnent alors que, bah, voilà, la personne, elle se, entre guillemets, pas casse la tête parce que pour moi, bon, c'est vrai que maintenant YouTube, c'est considéré comme un métier. Mais il y en a, bah, ils se cassent la tête à faire des vidéos bien pour les gens. Les gens, ils se désabonnent parce qu'il y a un truc qui leur plaît pas ou parce que je sais pas quoi. Bon, c'est sûr que moi, je me suis beaucoup abonnée à des chaînes et je me suis désabonnée parce que ça me plaisait plus, parce que je regardais pas. Mais voilà, c'était pas des youtubeurs. C'était des youtubeurs, ils avaient je sais pas combien d'abonnés. Puis c'était des trucs où, par exemple, c'était par exemple des trucs high-tech. Par exemple, je me suis désabonnée de certaines vidéos parce que je regardais même plus. Des trucs de jeux, par exemple, Squeezie. Il y a un moment c'est bien, mais à force c'est très très chiant. Une youtubeuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Emma Dolis, au cas où vous connaissez pas, et ben en fait elle l'a déjà dit sur YouTube, et je trouve qu'en fait que c'est bien ce qu'elle dit, parce que en gros, ben même si au cas où sa chaîne ne fonctionnerait pas du tout, ben, elle continuerait quand même à faire ses vidéos parce qu'elle aime ça. Donc en fait, ben, maintenant je raisonne comme ça parce que je trouve que c'est... Voilà, si on aime vraiment ce qu'on fait, ben, pourquoi on arrêterait? Tout ça parce que des gens se désabonnent ou pas. Donc voilà! Maintenant, je décide de faire ça et je sais que les fidèles bah, resteront toujours là et vous êtes mes petites zigounettes, ceux qui et mes zigounets aussi, ceux qui sont toujours là. Même si au cas vous commentez pas souvent, mais je sais que vous êtes là parce que je sais que vous me parlez sur Snapchat et ça j'aime bien aussi parce que c'est encore un autre style. C'est vous me voyez entre guillemets en direct et c'est pas mal. Aussi, il y a les lives et j'aime trop faire ça. Enfin bref, vous avez compris ce que je veux dire. Donc là, ma soeur et son copain devraient pas tarder à arriver, je ne sais pas quand. Et sur Snapchat, je vais vous dire quelque chose, mais bon, je préfère que je ne veux pas le dire là. Vous le saurez sur Snapchat, sauf que vous me suivez, mais bon, là, le vlog, je ne sais pas quand est-ce qu'il sera mis. Donc c'est pas grave. Donc je vais arrêter de parler, même si j'ai très envie de parler avec vous. Ah oui, je sais pas si je vous l'ai dit sur mon vlog. Non, je crois que je l'ai dit sur Snapchat. J'ai rechangé mon petit décor parce que en fait ça me saoulait. Hier, je voulais faire un petit truc, un effet avec les photos. Et ben ça m'a gavé très longtemps que je parle. Ça fait presque 5 minutes. Donc voilà, je vais arrêter de parler. Puis bon, on se dit à tout à l'heure. Coucou tout le monde, voici après quelques heures plus tard. Donc désolée de ne pas filmer correctement. Mais là, il est 1h07 ou 1h17 du matin, je suis pas sûre. Et là, on va se coucher tout simplement. Donc là, tout le monde est déjà parti. Donc je suis désolée, mais vraiment désolée de ne pas avoir filmé. C'est qu'en fait, bon, tout le monde sait que je fais des vidéos, mais j'ai pas osé prendre mon téléphone. Et en plus, il n'y avait plus de batterie. Donc bah, j'ai pas pu filmer. Et puis en même temps, bah, j'ai profité un petit peu. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pas vraiment filmé. Donc je suis vraiment encore une fois désolée. Et je pense que je vais arrêter aussi le vlog aujourd'hui. Et si au cas où je... On fait quelque chose d'intéressant demain, je recommencerai un vlog, je ne sais pas du tout. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je ne sais pas trop quoi dire. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais vendredi, j'ai appelé dans une entreprise. Enfin, en fait, c'est pour aider en fait, des gens qui n'ont pas de travail. Et ben, j'ai rendez-vous jeudi. Donc, je ne sais pas si c'est pour une réunion. Mais c'est pour m'inscrire dans leur truc pour peut-être plus tard me donner du travail. Donc on va attendre parce que bah, je n'ai toujours pas une nouvelle. J'ai fait l'essai lundi comme vous le savez et j'ai pas une nouvelle. Donc je pense que bah, c'est fichu on va dire. Donc je les appellerai quand même. Et si au cas où ils me disent bah non, on décide de pas vous prendre, je vais leur dire carrément dans les dents que je trouve que c'est pas bien parce que ils m'ont fait un petit peu espérer. Et en plus de ça, quand on fait un essai, j'ai même demandé. Ma mère, qui est un petit peu experte dans ce travail, bah on est payé normalement qu'on fait un essai. Merci à Junior. Et le truc, c'est que bah, j'ai pas été payée pour mes heures d'essai. Surtout que j'ai fait à peu près 1 heure et tout ça, voire 2 heures, même peut-être même 1 heure et demie, voire 3 heures. Je sais pas vraiment, je vais pas dire de bêtises, mais c'était à peu près ça. Et puis voilà, donc c'était assez chiant. Donc voilà, mais bon, bref, passons. Ma peau est horrible. Donc là, en fait, j'ai commencé à prendre à utiliser les produits que j'ai gagnés au concours de Girly Alex 83. Et je peux pas vous en dire plus pour l'instant parce que voilà, ma peau est assez douce. Parce que là, j'ai utilisé le. Je me suis démaquillée avec ma lotion de Nivea comme d'habitude. Et Misty, s'il vous plaît. Je me suis démaquillée avec mon démaquillant d'habitude de chez Nivea, que je n'ai presque plus d'ailleurs. Je sais même pas si je vais le racheter parce que c'est pas le meilleur démaquillant que j'ai testé. Et en plus, ça m'irrite la peau.
Il y a une abonnée qui m'a dit que Nivea, ça a irrité la peau. Donc, je vais voir pour acheter un autre truc, mais je sais pas encore quoi. Donc, pour l'instant, voilà. Je vais utiliser celui-là, donc je vais essayer de l'économiser. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et j'ai essayé la... C'est un gel lotion que vous mettez sur votre peau, mais vous rincez pas en fait, parce que c'est pas écrit. Donc moi, j'ai préféré pas rincer, parce que c'est pas écrit. Et après, j'ai mis la crème hydratante. Donc l'autre truc, c'est un truc qu'il faut mettre après rincer, mais j'avais la flemme de le faire. Donc ça, je le ferai peut-être demain, je ne sais pas. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah c'est tout. Donc j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. J'espère que vous l'aurez aimé malgré qu'il s'est rien passé d'exceptionnel. Normalement je devais filmer des trucs mais j'ai pas filmé. Demain je sais pas ce qu'on fait. Ma mère et tout ça reviennent manger avec nous et tout ça, donc ça va être cool. Je sais pas si demain on va à la déchetterie pour jeter des trucs qu'il a achetés. Parce qu'on n'a pas acheté la table qu'on a démontée parce que bon, on n'avait pas vraiment le temps à cause de tout le ménage qu'on a fait. Et puis voilà, donc j'ai arrêté de parler, j'espère que votre vlog ça vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et à une prochaine vidéo.